C'est un match à ne manquer sous aucun prétexte. On espère qu'il tiendra toutes ses promesses. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi en direct du Parc des Princes. Salut tout le monde, il fait très beau aujourd'hui, vous le voyez à Paris, sur le Parc des Princes. Un match qui va se jouer donc dans des conditions parfaites. Pour monter tout ça, vous pourrez compter sur moi et sur Pierre Ménès. On va suivre aujourd'hui un match de Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais. Ouais Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. On va suivre bien sûr Neymar, le Brésilien, comme c'est toujours le cas lorsqu'il joue. Oui, on entend beaucoup d'âneries sur Neymar, qu'il est individualiste. Alors le mec, il est individualiste, mais il est en même temps le meilleur passeur. Numéro 9, Mauro Icardi. Le numéro 30, Lionel Messi. Et enfin, le numéro 26, Neymar. Et voici la composition du Paris Saint-Germain pour garder le but. Keylor Navas, Presnel Kimpembe en défense avec Marquinhos. Marco Verratti sera associé à Wijnaldum au milieu de terrain. Un seul attaquant aujourd'hui, ce sera Mauro Icardi. Je vous laisse découvrir la composition de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. C'est une équipe qui, sur le papier, aura le désir de prendre le jeu à son compte. Ouais, c'est ce que le 4-5-1 nous laisse entrevoir. Ah, le coup d'envoi du match donné à l'instant par le PSG. Mauro Icardi. Ballon pour Neymar sur l'aile. Pour Neymar. Donc Danilo Pereira. Ouais, bien joué par-dessus. Léo Messi en position de hors-jeu. Il faut qu'il fasse un peu plus attention là. C'est comme s'il avait commis un faux départ. Neymar, et ça va donc être un corner. Le joueur blessé qui ne peut plus tenir sa place, hein, Pierre. Le remplaçant n'aura pas eu beaucoup de temps pour s'échauffer en plus. Pour le remplacer, le numéro 27, Idrissa Gueye. Le Messi qui frappe ce corner, bien parti. Alors, touche longue ou une touche courte, on va voir. Le duel avec Neymar, il résiste à le Brésilien. PSG qui perd ce ballon. Ouais, bonne intervention, ballon en touche. Jérôme Boateng. On sait l'avoir. Olympique Lyonnais qui progresse dans le camp adverse. Les Lyonnais qui font vivre le ballon, on se trouve bien, ça joue bien. Les joueurs à domicile et qui vont presser maintenant. Il a vu l'appel de balle. Attention, ce n'est pas terminé. Et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. Le réalisateur qui nous propose des images de cette contre-attaque. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Un exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste.
On vient de voir l'entraîneur regarder le tableau d'affichage qui confirme que son plan a l'air de fonctionner. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. But marqué par le numéro 13, Jorginho Wijnaldum. D'ailleurs. Slimani. Il est en train de remonter le terrain. Les Lyonnais qui essayent de porter le danger. Karl Topokambi. Oh, ils vont plus le revoir, ils vont plus le revoir. Ils sont aux abois, les défenseurs. Pas facile, mais il protège son ballon, il tient bon. Bien récupéré, bien joué. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Topokambi. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Et le bon pressing qui débouche sur la récupération du ballon. Les joueurs de Lyon qui obtiennent un coup franc. Allez, vite, c'est joué. C'est un ballon perdu. La passe de Verratti qui est interceptée. Lucas Paqueta. Ah oui, parfaite la récupération. Défenseur qui ne prend pas de risque, qui dégage ce ballon. Attention, la petite passe lobée. Il s'est ouvert le chemin du but. Les défenseurs qui ont le ballon. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mais non, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. On s'en doutait un peu, mais le PSG ne mobilise pas le ballon dans ce match, loin de là. Mais bon, vous le voyez, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Hein. Ça n'empêche pas cette équipe de mener au score et d'être suffisamment bien organisée pour poser des problèmes à l'adversaire. Il a débordé la défense. Neymar. Et le but! Et le but pour le PSG. Les joueurs parisiens qui portent leur avance à 2 buts dans cette partie. Vraiment la passe en profondeur qui a précipité les choses. On voit tout ça en ce moment. Ça, il fallait le faire. Hein. Marquer sous la pression adverse, c'était pas évident du tout. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. But marqué par le numéro 26, Neymar. Jérôme Boateng. On cherche la faille dans la défense adverse. Oussem Aouar. Allez, il tente la petite passe aérienne. Il cherche une solution. Et ce centre qui n'est pas parti bien loin, contré. Oh, il avait intérêt à le récupérer, hein, ce ballon, c'est bien joué. Allez, touche pour l'Olympique Lyonnais. Idrissa Gueye. Neymar. Et l'OL a récupéré le ballon à nouveau. 2 minutes de temps additionnel viennent d'être annoncées. Il faut trouver une option disponible.
Oh, l'occasion. Oussem Aouar. Un but tout en finesse. Les joueurs qui vont revenir au vestiaire avec un seul petit but de retard, ça devrait pas mal changer la physionomie de la rencontre. En tout cas, ça leur redonne de la confiance, ça c'est sûr. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Voilà l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 2 buts à 1. Qu'avez-vous pensé de la première période de Neymar? C'est bien ce qu'il a fait dans cette première mi-temps. Il a inscrit un but, son équipe mène, donc bonne première période de sa part. Les joueurs lyonnais qui viennent à l'instant de donner le coup d'envoi de cette seconde période. Kaltopokambi. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Oussem Aouar. Dallaïr. Les Lyonnais qui font vivre le ballon. On se trouve bien, ça joue bien. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Ouais, bien vu Icardi, bien donné. Wijnaldum, but pour le Paris Saint-Germain. Le réalisateur qui nous propose les images de cette contre-attaque. Ensuite, grosse démonstration de force malgré la pression de la défense. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Encore une bonne passe. Oh, c'est bien donné en profondeur. Attention, attention à lui. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Marco Verratti qui essaye de porter le danger. Avec Verratti. L'OL qui récupère ce ballon. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Emerson. Toko Ekambi. Allez, l'attaque va s'arrêter là. Ouais, c'est le pressing à tout va maintenant. Hein. Ouais, l'équipe à domicile veut gêner l'adversaire dans sa construction. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Les Lyonnais qui essayent de porter le danger. Ouais, la faute et l'arbitre qui accorde le coup franc. Il s'en sort bien avec ce simple petit sermon de l'arbitre. Oui, attention à ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant. Hein. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite.
Le ballon qui sort, ça sera donc une sortie de but. Les gros plans sur le joueur qui pèse le plus hein, dans le jeu de son équipe, voire même dans ce match. Il se calme, il est en train de nous traumatiser le gardien adverse là. Déjà qu'il est allé chercher plusieurs fois le ballon au fond de ses filets. Dans l'ensemble, il cadre fort. Paredes. Le couloir est désert, le PSG va pouvoir en profiter. En retrait pour un coéquipier. Oussem Aouar. Jérôme Boateng. Slimani. Les joueurs de Lyon qui obtiennent un coup franc. Kélan Navas qui était bien placé, pas de problème. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Messi toujours, personne pour l'arrêter. Mauro Icardi, Neymar, Messi. Il y avait peut-être une faute, mais... Oh, il a fait le plus dur peut-être. Et c'est un corner, hein, dit l'arbitre. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty hein, sur ce corner. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Leandro Paredes. Lionel Messi. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Neymar. Leandro Paredes. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Bien protégé ce ballon. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. C'est mal joué, c'est mal joué ça. Paredes. Ouais, l'adversaire qui resserre son pressing, hein, c'est logique. Le côté des passes, c'est assez fluide hein, dans cette équipe. Oh, il a de la place devant lui. Hors jeu, Neymar, le drapeau s'est levé. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. Da Silva. Emerson. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Jérôme Boateng. L'Olympique Lyonnais qui progresse dans le camp adverse. Thiago Mendes. Oui, le centre peut-être. Da Silva. Ouais, les 3 coups de sifflet de l'arbitre, c'est terminé. Et c'est donc une victoire pour le Paris Saint-Germain. Cette équipe qui l'emporte sur une toute petite marge. Voilà, on va dire, comme tous ceux qui n'ont rien à dire, on va dire que l'important, c'est d'avoir gagné. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Très bon match pour lui, avec un doublé en plus. C'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Allez, coup d'envoi du match donné à l'instant par le PSG. Il a vu l'appel de balle. Attention, ce n'est pas terminé. Et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. Il a débordé la défense. Et le but pour le PSG.
Les joueurs parisiens qui portent leur avance à 2 buts. Oh, l'occasion. Oussem Aouar. Un but tout en finesse. Wijnaldum. But pour le Paris Saint-Germain.